La partie se poursuit donc. Ah non, entre-temps, c'était le numéro 21 de la Tanzanie qui était parti là-bas, mais les Diables l'ont arrêté net. Et c'est Obanza qui va donc... Les Diables vont se dégager par ce bon dégagement. Bingila qui fait une belle passe à Obasi. Obasi qui va trouver Bingila qui a finalement ce ballon. Et qui fait un bon retrait. Oh là là. Personne. Alors que le numéro 7, Ibarra, était là face au gardien qui l'attendait ce ballon. Mais le portier de l'équipe tanzanienne a anticipé donc d'arrêter ce ballon. Les Diables Rouges qui sont encore là. Ce sont les Diables Rouges. Non, il n'y a personne. Il y a eu quelques hésitations. Très bien. Obasi qui est parti là-bas. Obasi qui va là-bas. Et Obasi est accroché. Obasi qui va rentrer. Obasi. Oh là là. Il a été accroché net. Mais l'arbitre dit qu'il n'y a pas eu faute. Oh là 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 là. Attention la Tanzanie, attention de réparation. Ah, une fois de plus, le Tanzanien a été accroché. Mais une fois de plus, l'arbitre a fermé les yeux. Comme il vient de faire du côté des pour les Diables Rouges. Les Diables Rouges qui sont encore là, qui vont partir. Non, il n'aura pas ce ballon. Attention le numéro 6. Mouda Thiri. Le numéro 17. Misa qui fait un long retrait là-bas sur le numéro 10. Numéro plus qui est aux prises avec le numéro 5 au combi. Mais le ballon est sorti. Attention Mabiala. Non. Le ballon une fois de plus se placer en touche. En tout cas, l'équipe de la Tanzanie va procéder à un changement. C'est le numéro 7. Le numéro 7 qui se prépare là-bas, Dix Isaac. C'est Dix Isaac qui va donc bientôt regagner le terrain. Mais on ne sait pas encore pour le moment quel joueur il va remplacer. Mais les Congolais, une fois de plus, sont là avec le ballon. Les Congolais. Obongo sur Bingila. Bingila sur Obasi. Obasi sur le numéro Ibarra. Ibarra sur le numéro 10, Biasarila. Biasarila qui contrôle bien le ballon. Mabiala. Qu'est-ce que Mabiala? Oh là là. Mabiala a lâché un tir, mais malheureusement, le tir a été trop faible. Le ballon sort. Il y a donc un remplacement du côté des Diables Rouges. C'est Issambé qui va regagner le stade bientôt. Je ne sais pas qui va remplacer, mais entre temps il y a une action dangereuse de la Tanzanie. Il est passé. Non. L'action est enrayée, mais pas pour longtemps. Attention à ce coup franc. Aïe. Il faut faire attention avec ces Tanzaniens. C'est des grands tireurs. Là, ils viennent de lâcher un tir de près de 35 mètres. Heureusement pour les Congolais, Kobanza était là pour enrayer cette action. Oh là 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 là. Voilà, c'est donc Issambé qui rentre à la place du numéro 7, Ibarra. Ibarra qui n'a pas vraiment démérité. Voilà, Issambé qui essaie donc de remettre les choses à l'heure, de remettre les pendules donc à l'heure. Les Diables Rouges, Bingila sur Obasa. Obasa qui va dans la surface de réparation. Attention sur ce ballon. Oh non. Le ballon était déjà sorti. Le ballon était trop poussé, il est sorti. Balle au 5m50. A décidé monsieur l'arbitre. Oh, mauvais dégagement de l'équipe tanzanienne. Oh voilà, Bingila. Bingila qui va sur ce ballon, qui tente de tirer. Non. Contré. Ondongo ne peut pas passer.
C'est un coup franc dit monsieur l'arbitre au profit de l'équipe congolaise. Ondongo qui va se charger de botter ce ballon. Ondongo. Ondongo qui a vu le mur. Et voilà, c'est le numéro 7, en l'occurrence Dix Isaac, qui remplace le numéro... voilà. Voilà. Le coup franc est là. Moudatiri qui va se... Non, c'est plutôt Ondongo qui va se charger de botter ce coup franc. Boum, le ballon est parti. Sur la tête de qui? Oh là 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 là. Là là, les diables sont encore là dans le choix de réparation. Les diables sont encore là. Non. Corner. Et le ballon est sorti en corner. Oh là 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 là. C'est un 5m50. Décide le juge de touche. minutes de jeu et c'est la Tanzanie qui mène devant le Congo par 1-0. But obtenu à la 15e minute par le numéro 6 Moudatiri sur coup franc. Balle arrêtée au profit de l'équipe de la Tanzanie. Attention, Mabiala n'a pas pu arrêter le numéro 10. Qui est passé. Les Tanzaniens sont encore là. Attention. Isambé. Non, Isambé. Isambé qui va passer. Non, le ballon est dégagé en touche. Les Congolais par Is. Par Mouélé. Imouélé. Obasi. Obasi. Mais la défense tanzanienne se regroupe assez bien. Et ça combine très très bien. Le numéro 20 qui est passé. Mais il ne passera pas. Oh là là, le diable rouge. Oh là 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 là, il n'y a eu personne à l'attaque pour récupérer donc ce ballon. De la Tanzanie, Hamad Tuma, qui a pu récupérer ce ballon et relancer le jeu. Le diable rouge. Non. Les Tanzaniens reviennent sur ce ballon. Mabiala qui contrôle ce ballon. Sur le rond. Qui voit partir le numéro... Non, pas pour longtemps. La défense tanzanienne est là pour arrêter l'offensive. C'est de se réveiller. Ils ont l'obligation donc de retard. Voilà un bon centre qui va trouver la tête de qui? Non. Le ballon va survoler. Le ballon a survolé la barre transversale. Et c'est un ballon qui sera placé aux 5m50. Dit monsieur l'arbitre. Hamad Tuma qui se dégage. Très bien. Tête des Diables Rouges, des Congolais. Le numéro 12, Tanzanien, Selemari. Non, pas pour longtemps parce que Obasi est là. Obasi est sur ce ballon. Il a vu partir le numéro 13. Et Sombe, il y a faute. Faute. Faute, dit monsieur l'arbitre. Parce que Sombe a été accroché au dernier moment alors qu'il partait avec le ballon. Il filait tout droit avec le ballon dans la soie de réparation. Mais il a été accroché. En tout cas, le ballon va être botté sur la même place qu'il a été botté. Lors du but marqué par les Tanzaniens. C'est Bingila qui se charge donc d'exécuter ce coup franc. Bingila qui recule de quelques mètres. Il n'y a que deux défenseurs qui forment la défense de l'équipe tanzanienne. Bingila se concentre. Il tape, boum. Oh là 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 là. Il y a faute, dit monsieur l'arbitre. Il y a eu faute sur ce ballon. Le coup franc a été très bien botté par Bingila. Malheureusement, il y a eu bousculade dans la surface de réparation. 1-0 au profit de l'équipe de la Tanzanie. Le
5000 places. En tout cas, les Diables Rouges ont 45 minutes pour égaliser et mettre un but supplémentaire. En tout cas, le sélectionneur Oudonski a quelques problèmes avec l'arbitre central. Nous repartons sur le terrain avec Bingila. Bingila qui a vu partir et Sambé qui s'incentre. Mais il n'y a eu personne pour récupérer ce ballon. Bersarila. Bersarila qui refait un centre. Sur la tête de qui? Sur la tête d'un. Non. Oh là 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 là. Et Sambé a mal repris ce ballon qui est passé sur la barre transversale. En tout cas, les Diables sont en train de pousser très fort pour essayer de rétablir l'équilibre. Mais l'équilibre ne vient pas. Attention, c'est le numéro 10, Hussein qui est parti. Mais, les Diables sont encore là. Non. Balle placée en touche par l'équipe tanzanienne au profit de l'équipe de Diable Rouge. Balle mal exécutée. La touche a été mal exécutée. Ce sont donc les Tanzaniens qui vont repartir donc sur ce ballon. Faute dit monsieur l'arbitre au profit de l'équipe tanzanienne. Qui va se charger de ce ballon? C'est le numéro 8, Mohamed Saloum. Mohamed Saloum. Voilà, le ballon est parti là-bas. Il va trouver la tête d'un défenseur de Diable des Congolais. Ah non, il y a faute. Il y a une faute. Le numéro 8, Bingila, a trop levé le pied. Le numéro 8, Bingila, a trop levé le pied. Faute au profit donc de l'équipe tanzanienne. Attention une fois de plus à ce coup franc. Parce que ces Tanzaniens, ce sont des véritables bombardiers. Ils l'ont prouvé lors de leur premier but. Attention, Obanza, tu dois veiller au grain. Obanza, tu dois veiller au grain. Parce que ce numéro 6 est très dangereux. Voilà, il boum, le ballon est parti. Non, cette fois-ci, le ballon ne suit pas la bonne trajectoire. Le numéro 6, Ondongo, qui repart avec ce ballon. Bassarila, aura-t-il ce ballon? Oui, il a le ballon. Il trouve qui? Attention, Obassi n'aura pas ce ballon. Les Diables sont encore là. Biassarila, mais il a accroché. C'est Biassarila qui a tenté de partir sur le côté gauche là-bas, mais il a été accroché au dernier moment. Ondongo est là pour ce ballon. Ondongo qui se dégage très très loin là-bas dans la soirée de réparation. Que dit-il? Que signale le juge de touche? Il y a hors-jeu. 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 Le numéro 9, Obassi, était hors-jeu. Obassi était hors-jeu. En tout cas, petit à petit, le temps est en train de s'égrener. Les Diables Rouges doivent aller très vite, très vite pour essayer de rétablir l'équilibre et peut-être marquer un deuxième but de la victoire. Mais pour le moment, nous sommes à 1-0 en faveur de cette équipe de la Tanzanie qui se comporte assez bien sur le terrain. Allons sur ce ballon sur Essambé. Essambé, non, Essambé n'aura pas ce ballon. Les Tanzaniens se dégagent tranquillement et sûrement. Ondongo. Ballon lancé en chandelle. Bingila aura-t-il ce ballon? Non. Il manque le contrôle de ce ballon. Mais le ballon est placé, sera placé en touche en faveur de l'équipe de Diable Rouge. Bingila. Bingila qui a vu partir. Qui?
Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'était une très bonne occasion. C'était donc Bingla qui était parti sur le côté droit. Il a fait un bon retrait sur le numéro. Quoi c'est, ça doit être, on n'a pas le dossard là-bas. Sur le numéro 9. Numéro 9, Obasi. Mais Obasi n'a pas pu donc ajuster son tir. Le ballon est passé à côté du gardien, des poteaux gardés par Ahmad Tuma. Ce sont les Tanzaniens qui peuvent contrôler ce ballon. Attention à cette infiltration tanzanienne. Les Diables Rouges, non. Les Diables Rouges mettent ce ballon en touche. Touche, rentrée de touche tanzanienne. Oh ya 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 ya. Les Diables Rouges viennent de manquer là une occasion qui aurait pu leur permettre de rétablir l'équilibre. Voilà, attention. Bingila. Bingila sur qui? Ondongo. Numéro 14. Bisiki. Maokidiki. Biasadila. Biasadila ne passera pas. Le ballon revient en défense avec Ondongo. Ondongo qui trouve. Ondongo encore lui. Non, il n'y a personne. En tout cas, toutes les offensives des Diables Rouges sont en train sont bloquées par cette défense tanzanienne qui se comporte très 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 bien. Ils sont vraiment sur. Les défenseurs tanzaniens sont presque sur tous les ballons. Les Tanzaniens qui vont se dégager. Les Tanzaniens qui vont se dégager sur ce ballon. Les Diables peuvent contrôler, non, mais la Tanzanie va s'interposer par l'intermédiaire du numéro 12, Selemari. Les Tanzaniens encore eux. Attention. Voilà. Mais la défense congolaise est là pour renvoyer ce ballon. Bingila qui se bat sur ce ballon, il aura ce ballon. Non, il ne l'aura pas parce que le ballon sera sorti au profit de l'équipe tanzanienne. Voilà. Les Tanzaniens encore eux. Tanzaniens. Obasi. Obasi qui a vu partir et Sambé là-bas. Non, non, non. Non, 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 non. Il n'y avait personne. Les Diables Rouges. Ils ne sont pas loin de la soie de réparation. Imwele. Un long retrait, mais il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Bingila l'aura finalement. Bingila qui refait un retrait là-bas dans la soie de réparation qui trouve la tête de qui? La tête a été mal placée et le ballon trouve le décor. Un but à zéro pour la Tanzanie ici dans ce stade. Le stade national de Dar es Salaam. Le but tanzanien a été obtenu à la 15e minute par ce tireur, le numéro 6, Moudatiri Yaya. Et voilà, nous repartons sur ce terrain donc avec cette défense tanzanienne qui contrôle très bien ce ballon. Il y a Imwele qui est aux prises avec un Tanzanien là-bas. Mais ce sont les Tanzaniens qui peuvent contrôler tranquillement ce ballon. Mais la défense congolaise est là. Oh là 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 là. Touche. Non, non. En tout cas, les Tanzaniens se comportent très 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 bien. Mais pas pour longtemps. Le ballon est congolais. C'est Bingila. Bingila qui a vu Obasi, qui fait sur Obasi. Obasi aura ce ballon. Non, il y a faute au profit de l'équipe tanzanienne, dit le juge de touche. La Tanzanie. Qui se comporte très bien. La
La Tanzanie qui joue à domicile, qui a déjà dans sa JBCR un but. Imwele. Non. Le ballon va sortir. Rentre de touche tanzanienne. C'est la défense tanzanienne qui va se relancer. Sur le numéro 7, Dix Isaac. Non, le ballon est sorti. Rentre de touche congolaise sur Isambé. Isambé. Attention. Non. Le numéro 3 peut tranquillement solliciter le gardien tanzanien. Attention les Tanzaniens, attention sur cette passe en profondeur. Mais le numéro 15, Atoni était là pour parer cette action. Non, le ballon va être placé en touche. Rentre de touche congolaise. C'est Imwele qui va se charger d'exécuter donc cette touche. Deuxième changement pour l'équipe de la Tanzanie. C'est le numéro 19. Numéro 19. Toumani Baraka qui intègre le terrain. Rentrée de touche exécutée. Les Congolais. Oh là 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 là. Quel tir. Oh là 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 là. Voilà, nous repartons sur le terrain. Le ballon est placé en touche, dit monsieur l'arbitre. Toujours un but à zéro au profit de l'équipe de la Tanzanie. But obtenu à la 15e minute par le numéro 6, Mouda Thierry Yaya, sur coup franc bien botté. La Tanzanie qui repart sur ce ballon. Mais la Tanzanie, le numéro 6, Mouda Thierry est accroché. Non, dit monsieur l'arbitre. Il faut reprendre, faut déposer le ballon à la place où la faute a été commise. Et c'est ce qui va être fait. En tout cas, la fatigue est dans toutes les jambes, que ce soit du côté de la Tanzanie que du côté des Congolais. Sauf que les Tanzaniens ont déjà pris une petite avance qui risque d'être fatale pour l'équipe de Diable Rouge. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont encore là. Ils se défendent. Non. Ballon mal contré par les Diables Rouges. Et ce sont les Tanzaniens qui vont repartir rapidement sur ce ballon. Il va lancer un tir. Non. Obanza est là pour arrêter ce ballon. Il repart sur Obasi. Obasi qui voit partir Bingila là-bas. Mais le ballon, non, le ballon est sorti en touche. Le ballon va être sorti en touche. Bingila. C'est Obasi qui court là-bas pour aller exécuter cette touche. Obasi qui va exécuter donc cette touche. Obasi qui va exécuter cette touche. Obasi. Voilà, bonne rentrée de touche. Sur qui? Oh là là, le ballon a été contré au dernier moment. Mais Obasi encore là. Obasi qui lâche un tir. Oh là là, corner dit monsieur l'arbitre. C'est le deuxième corner des Congolais. C'était Obasi qui a lâché un boulet de canon, s'il faut le dire. Mais ce ballon a survolé la barre transversale. Ce ballon n'a pas du tout inquiété Ahmad Touma, le portier de l'équipe tanzanienne. C'est le numéro 14. Le coup franc est botté. Pour qui? Non. Le ballon va survoler la barre transversale. Oh là 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 là. 5m50. Ahmad qui va se dégager tranquillement. Pour le moment, la Tanzanie a un but dans la JBCR. Non. Ce sont les Tanzaniens qui contrôlent mal ce ballon. C'est le 6 Obasa qui fait sur qui? Sur le numéro 9. Attention. Non. En tout cas, la défense tanzanienne va placer ce ballon en touche. Et c'est le numéro 6 Ondongo qui va se charger d'exécuter cette rentrée de touche. Attention, le ballon va jeter très loin dans la soie de réparation. Pour qui? Oh là 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 là. Il n'y avait personne. Attention, attention sur ce ballon. Attention, il y a un Tanzanien là-bas. Oh là 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 là. Heureusement. Heureusement.
heureusement. En tout cas, ce Tanzanien était très bien parti. Il était presque à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y avait plus aucun défenseur congolais pour l'arrêter. Mais heureusement, heureusement pour les Congolais. Au dernier moment, il y a eu Okombi qui est venu à la rescousse de ce ballon pour écarter le danger. Oh là 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 là. L'action était très dangereuse. Le ballon est momentanément arrêté. C'est un 5 mètres 50. Oh ya 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 ya. C'est un 5 mètres 50. 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 Mbanza va devoir se dégager. Mbanza coupe le temps. Mbanza se dégage. Les Diables Rouges sur Imwele. Bassadila. Bassadila. Sur Mabiala. Mabiala sur qui? Non. Le ballon va être envoyé. Non. Il y a quoi? Non, il y a hors-jeu, dit monsieur l'arbitre. Hors-jeu. Rentre 7e minute de jeu. Les Diables sont encore là, ils se défendent. Et les Tanzaniens sont aussi là. Ils veulent un autre but supplémentaire. Ah non. Non. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges peuvent contrôler Mabiala. Les Diables Rouges. Attention qu'ils trouvent qui là-bas. Non, il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Non. Hamad peut tranquillement récupérer ce ballon. Sans être inquiété. Bon dégagement en chandelle. Ah voilà, il y a eu faute. Heureusement. Heureusement que les Diables Rouges étaient là. Sur ce ballon qui allait droit dans la surface de réparation des Congolais. Biassari là. Yassadila qui contrôle assez bien ce ballon. Mabiala, mais au dernier moment, Mabiala a perdu ce ballon. Attention, ces Tanzaniens sont très dangereux. Imwele sur... Non. Il y a faute, dit monsieur l'arbitre. Mais il y avait, et voilà, c'est un carton. C'est un carton pour jeu dangereux. Premier carton de la partie. Premier carton de la partie. Et c'est le numéro 13. Issambé qui est copié d'un carton pour jeu dangereux. Les Tanzaniens. Aux prises avec un Congolais là-bas. Ce sont les Tanzaniens qui contrôlent très bien ce ballon. Numéro 9, Obasi est là pour récupérer ce ballon. Il fait quoi? Il va se dégager. Mais le ballon va sortir. Voilà, c'est un corner. Corner pour l'équipe tanzanienne. En tout cas, les Diables Rouges doivent faire attention sur ce corner parce que ces dégâts sont très dangereux. Je vois dans la surface de réparation le numéro 20, Faridi. Il y a le numéro 19, Toumaïri. Il y a le numéro 10, Hussein. Et il y a le numéro 5, Mirai. Donc les Congolais doivent faire attention sur ce ballon. Les Congolais doivent faire attention au ballon. Voilà, le corner est bien exécuté là-bas. Et Mbanzi va s'imposer tranquillement sur ce ballon. Pouf, il dégage. Mais pour qui? Mais pour personne. Il dégage pour l'équipe tanzanienne. Mabiala. Mabiala sur le numéro 10. Obasi sur le numéro 6. Numéro 6, Ondongo.
Oh ya 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 ya. Oh ya ya. Oh ya 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 ya. C'était le numéro 14 qui a lâché un tir. En l'occurrence, Mahindi.